Moi, je trouve que oui, l'école commence trop tôt. On devrait plutôt penser à commencer l'école quand le soleil est au moins levé. On n'est pas assez attentif aux premiers instants du matin et peut-être même des cours un peu plus longs, des périodes d'une heure au lieu de 50 minutes et peut-être avoir moins de cours différents dans la journée, mais avoir l'occasion de plus approfondir le cours. De 8 à 16, c'est bien aussi. J'aimerais commencer plus tard, vu que au matin je suis un peu fatigué, un peu tout le monde. Et terminer un peu plus tôt, ça m'arrangerait aussi. Les durées des périodes, je trouve ça bien, parce qu'on n'a pas le temps d'avoir marre du cours, enfin ça va. Après, je commencerai bien un peu plus tard et finir un peu plus tôt, comme tout le monde, je pense. Bah, je pense que l'école devrait commencer plutôt à 9h qu'à 8h parce que se lever si tôt tous les jours, c'est pas évident non plus. Bah, commencer à 9h, comme ça on a le temps de quand même de bien dormir. Et puis, bah, 1 heure de temps de midi, ça va. Et finir, bah, genre vers, ouais, bah, 3h30, allez. Comme ça raccourcit un peu la journée des deux sens, mais on apprend quand même. Oui, je trouve qu'elle est pas mal. 50 minutes, c'est assez pour un cours, et de 8h à 16h, ça me convient. En Canada, on utilise un système de semestre. Alors, il y a 2 semestres par an, et dans chaque semestre, on a 4 cours, et ça, on a les 4 chaque jour pour 5 mois, et ils durent 1 heure et demie. Et puis, en janvier, après les examens, ça change, et puis tu as 4 autres cours jusqu'à la fin de l'année.